Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les fermes Loufa. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour venir nous rendre visite. On est très, très contents de vous recevoir. Mon nom, c'est Laurence. Je suis aux communications ici chez les fermes Loufa. Je vais vous accompagner pendant la prochaine heure, plus ou moins. Alors, on va commencer ici. On est très nombreux. Un beau gros groupe. Donc, on va commencer ici. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait sommairement chez les fermes Loufa. Vous parler de nos trois fermes. Avant toute chose, je vais juste faire une petite mise à jour pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce qu'on fait. Ce qu'on fait ici chez les fermes Loufa, c'est qu'on veut reconnecter les gens à la source de leur nourriture et on veut changer la façon dont on nourrit les villes. Donc, le système alimentaire, dans sa forme actuelle, on considère qu'il ne fonctionne pas, qu'il est brisé et on essaie de le changer, de changer la façon dont on nourrit les citadins. Tout ça a commencé en 2009 dans la tête de deux de nos cofondateurs, Lauren Rathmell et Mo Hage, qui sont des partenaires en affaires et qui sont des partenaires dans la vie et qui ont un grand point en commun, qui est celui d'avoir grandi dans un contexte où ils étaient très, très connectés à la provenance, la source de leur nourriture. Pourquoi? Mo a grandi au Liban jusqu'à l'âge de 12 ans, dans un village qui est tout près de Beyrouth, qui est autosuffisant. Donc, la grand-mère faisait les légumes, l'autre villageois faisait le pita. Bon, alors il était vraiment, il savait d'où venait sa nourriture finalement. Et Mo, de manière un peu similaire, a grandi sur une ferme au Vermont. Même chose, on grandit sur une ferme, on produit nos aliments, les gens autour de nous les produisent également. Donc, en 2009, ils ont posé ce constat-là, pour eux, ça les a frappés. À quel point en ville, on ne sait pas d'où vient ce qu'on mange. C'est très difficile de savoir d'où vient ce qu'on mange. Et ils ont décidé de remédier à cette situation-là en cultivant là où les gens vivent. Ça s'est manifesté par la construction d'une première serre en 2011, ici même à Hunsic, c'est celle qu'on s'apprête à voir. Une serre de 31 000 pieds carrés, où on cultive, vous allez voir, poivrons, concombres, fines herbes, micro-pousses. Le bouche à oreille a mené à la construction de la deuxième serre en 2013 de Laval, de 43 000 pieds carrés, donc plus grande serre, dédiée aux tomates et aux aubergines, très, très populaire chez les fermes Loufa. Et également à la création du marché en ligne. Donc ça, c'est notre marché fermier en ligne, là où on personnalise son panier chaque semaine. Et ça, c'était un grand changement dans l'entreprise parce que jadis, on ne pouvait pas personnaliser le contenu de son panier. Ce qui poussait dans la ferme, c'est ce qu'on avait dans le panier. Et en 2013, ça a changé. Maintenant, on peut totalement personnaliser son panier. Et finalement, en 2017, la serre d'Anjou, notre plus grande serre, la plus impressionnante, de 63 000 pieds carrés, qui est dédiée aux verdures et aux fines herbes. Donc, voilà, c'est un petit portrait de la situation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non? C'est super clair? Clair comme l'eau de roche? Super! Bonjour, je suis Catherine Boulos de Montréal et je suis Loufa Vore depuis au moins 5 ans. Ce qui me plaît particulièrement, c'est le fait qu'on puisse s'alimenter de manière saine, mais aussi que ce soit très accessible parce que je suis une fille assez occupée. Puis ils rendent tout le cycle facile. Je peux faire mon panier pendant que je suis dans l'autobus sur mon cellulaire. Je passe près de mon dernier arrêt d'autobus pour attraper mes légumes frais le soir. Donc, c'est ça. Je pense que c'est l'accessibilité. Le choix maintenant qu'ils offrent, là, il y a vraiment beaucoup de variétés. Je peux faire presque mon épicerie complète si je voulais là, avec Loufa. Bienvenue dans notre centre de distribution. Un lieu très, très important dans ce qu'on fait au quotidien chez les fermes Loufa parce que c'est d'ici que partent les 14 000 paniers qu'on envoie chaque semaine au Loufa Vore dans 450 points de cueillette au pays. Je vous ai dit en haut, je ne sais pas si je vous ai dit qu'en 2011, on avait 300 paniers par semaine et en 2018, on en a 14 000. C'est une belle évolution, non? Alors, dans le centre de distribution, on a toute une équipe qui s'affaire à assembler les paniers, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt tout à l'heure, pour assembler vos commandes et qu'elles puissent être distribuées. Mais pour illustrer un peu le processus, ce sera plus simple si je vous parle de mon panier à moi. Donc moi, je suis Loufa Vore, bien sûr, et j'ai choisi un point de cueillette tout près de chez moi sur le plateau. Et je vais chercher mon panier chaque semaine, le jeudi en fin de journée. Et donc, j'ai 3 jours pour personnaliser mon panier. Alors, je reçois un courriel tous les lundis pour m'annoncer l'ouverture de mon marché. Donc, bonjour Laurence, voici
les aubaines de la semaine. Voici ce qui se passe dans les fermes à travers le Québec. On met toujours en valeur des partenaires fermiers ou artisans. Et je suis invitée à aller personnaliser mon panier. Alors, je clique sur le bouton et j'arrive sur notre marché fermier en ligne, sur notre site web, où on retrouve plus de 2000 produits de nos 230 partenaires. Et là, d'abord et avant tout, je peux aller dans mon panier pour constater mon panier de base. Ça, c'est le panier qu'on assemble pour vous. Tout à l'heure, là, vous vous demandiez, on a-t-il des surplus, des choses comme ça? Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose un panier de base qui contient 30 $ de produits des fermes Loufa. En fait, ça, on le fait systématiquement, mais souvent, ce sont des produits qu'on a justement en abondance. Donc, on vous invite à les essayer si ça vous chante, mais vous pouvez personnaliser totalement votre panier. Alors, vous êtes libre de retirer ce que vous voulez. La commande minimale est de seulement 15 $ de toute façon. Alors, je vais dans les différentes catégories du marché en ligne, notamment, bon, les produits des fermes Loufa, évidemment, c'est la première catégorie en haut, et j'adore les fameuses tomates cerises, donc j'en ajoute toujours à mon panier. Là, j'en ai déjà deux, c'est parfait. Et on voit bien, par ailleurs, les produits qui sont en rupture de stock. Je vous disais tout à l'heure qu'on a du mal à répondre à la demande. Bien, c'est une manifestation assez concrète de ça. Souvent, les produits sont, ils peuvent arriver qu'ils soient en rupture de stock, puis on vous l'indique clairement. Alors, j'ai ajouté les tomates cerises des fermes Loufa à mon panier. Maintenant, je vais aller dans la catégorie des viandes pour prévoir mes soupers de la semaine. Et je suis une grande amatrice de la Boucherie Nord-Est, qui est une petite entreprise dans le coin de Mont-Laurier, qui va préparer, trancher, couper les viandes sur commande le matin de la livraison de mon panier. Donc, c'est vraiment d'une fraîcheur incomparable. Et ça, c'est un bon point. On peut cliquer sur les produits pour en savoir plus sur les produits, mais également sur les partenaires pour en apprendre plus sur ce qui les motive, pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est quoi l'histoire derrière, dans ce cas-ci, la ferme. Donc, je clique sur le produit et j'ai la photo, les quantités, les prix, ainsi qu'une description du produit si je descends davantage. Donc, toute l'information est accessible en ligne. Et là, j'ai ajouté, si je ne me trompe pas, la bavette. Voilà, j'ai ajouté la bavette de 200 grammes. Et pour terminer, je vais aller dans la catégorie de la boulangerie. Il y a une boulangerie pas très loin de chez moi qui s'appelle la Fabrique Aroma, qui est un partenaire aussi inestimable pour nous parce que la Fabrique Aroma va cuire sur commande tous les pains que vous allez commander dans vos paniers le jour, le matin même, très tôt dans la nuit de votre livraison. Alors, j'ajoute souvent une baguette pour ma semaine. Donc, j'ai un choix de différentes quantités. Je clique sur « Choix » et j'en ai ajouté deux déjà à mon panier. Donc, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à aller consulter le contenu de mon panier pour m'assurer que ce qui est là me convient à 100%. J'ai une commande de 65 $ et plus, donc j'ai le cadeau de la semaine qui est un sac de granola, un partenaire qui s'appelle Oatbox. Et si je descends, donc je consulte ma commande, j'ai tous les détails. Oh, par contre, moi, les gnocchis, j'en aurai pas besoin cette semaine, donc je vais les enlever plutôt. Parfait. Et je descends. Et voilà, ma commande est satisfaisante. Je descends. Et voilà. Donc, j'ai le sommaire de ma commande en bas avec le montant total et toute l'information est là. J'ai 3 jours pour faire ce processus-là, jusqu'à minuit la veille de ma livraison. Donc, à minuit le mercredi, c'est terminé. Les fermes Loufa reçoivent ma commande ainsi que les partenaires Aroma, Nord-Est dont je vous ai parlé. Et là, la magie s'opère parce qu'à partir de minuit, les légumes sont cueillis, les pains sont cuits, les viandes sont tranchées et tout ça est livré ici. Donc, tout ça gravite vers notre centre de distribution, là où on se trouve en ce moment, pour que les paniers soient assemblés par notre équipe. Et à midi, tout ça repart dans les 450 points de cueillette à travers le Québec et vous parvient le jour même. Donc ça, c'est pour vous illustrer un peu le défi logistique qu'on relève chaque jour et pour vous montrer aussi un peu notre philosophie en ce qui concerne nos partenaires fermiers. Si vous avez des questions, 15 $ par semaine seulement. Et bien sûr, si vous voulez suspendre votre panier, soit parce que vous avez déjà suffisamment de bouffe ou vous partez en vacances, tout ça se fait très facilement dans vos paramètres de compte. Donc, on clique sur le petit engrenage ici et on a accès à notre profil et on peut personnaliser notre profil, nos préférences alimentaires, mode vacances, les alertes, etc. Donc, tout ça, là, vous gérez ça sur votre profil en ligne. C'est très, très convivial.
Les paiements se font par carte de crédit ou carte de débit. C'est vous qui mettez vos informations de paiement dans votre compte. Et les paiements se font automatiquement à minuit quand votre commande elle est envoyée, pas avant. Si on prévoit sortir de l'île de Montréal, bien, pour l'instant, je viens de vous parler du défi logistique qui est très, 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 très imposant. Et on veut devenir des grands experts dans ce qu'on fait et se spécialiser avant de penser à SME. Donc, évidemment que c'est la vision d'avoir plus de serres dans plus de villes, nourrir encore plus de gens. Chaque chose en son temps. Pour la livraison, on a deux choix. On a la livraison dans les points de cueillette et également la livraison à domicile en voiture électrique pour 5 $. Dernière question avant qu'on termine, oui? Ah, des nouvelles serres? Bien, pas encore, dans le sens où, je ne sais pas si vous vous souvenez, en haut, il y avait au mur les trois serres, puis il y avait bien de la place à droite du tableau. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on laisse cet espace-là. On veut avoir d'autres serres, mais on n'est pas tout à fait rendu là. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'on doit prendre un panier chaque semaine obligatoirement, même en dehors du fait des vacances? C'est ça. Donc, c'est un service de livraison hebdomadaire. Moi, personnellement, je fais mon épicerie chaque semaine, mais vous pouvez le suspendre là, quand vous voulez. Tout ça, c'est extrêmement facile. On le fait en ligne. On l'annule pour la semaine ou on peut même être en mode vacances si on part plusieurs semaines, on met les dates nous-mêmes. À la maison l'été, par exemple? Il n'y a aucune limite à la suspension hebdomadaire des paniers si vous n'en avez pas besoin. Merci. S'il y a des allergies, on va dire le gluten et tout, est-ce que ça répond? Tout est indiqué très, très clairement dans les fiches produits. Donc, on pourrait aller voir la section sans gluten, là, ça serait, ou sans lactose, ça serait plus facile, mais sinon, quand c'est sans gluten, c'est indiqué dans la description du produit. Quand c'est sans lactose, c'est indiqué dans la description du produit, etc. Donc, les descriptions de produits sont très détaillées. Bonjour, je suis Thibaut Soret, je suis Lefavor depuis 2016. Ça fait 2 ans que je suis Lefavor. En fait, à la base, j'étais à l'école et donc je faisais un projet sur l'hydroponie. Ça m'intéressait beaucoup à l'époque. Et donc, j'ai fait une porte ouverte comme celle-ci sur les fermes Lufa. Et le concept m'a vraiment attiré parce que ça m'a rappelé d'un système alimentaire plus proche de ce que j'avais en France quand je passais mes week-ends à la campagne. Et après avoir goûté la qualité des aliments, surtout c'était la viande, je me souviens du premier steak des fermes des boucheries Nord-Est que j'ai goûté. J'ai voulu devenir employé et travailler pour ça parce que ça m'a rappelé de ce système alimentaire-là qui était plus frais, plus local et plus responsable. Donc voilà. Donc j'ai commencé en vente. J'ai ensuite dirigé l'équipe de marketing pendant un petit moment. Et maintenant, je suis aide de camp pour Lauren, la cofondatrice. Donc, je l'aide à gérer le marketing et les serres. Donc, bonjour, mon nom est Dorian Petrovic et je suis le gestionnaire du marketing chez les fermes Lufa. Donc, les fermes Lufa ont été fondées par Mohamed Adjé et Lauren Rathmill. Donc, c'est un couple en affaires et dans la vie. Donc, Mohamed, c'est un entrepreneur dans l'industrie des TI dans le passé. Puis Lauren, elle étudie à McGill en biochimie. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à discuter, puis ils ont réalisé qu'il y avait un potentiel de peut-être créer, changer l'industrie de l'alimentation au Québec. Puis ils ont eu l'idée de commencer à mettre des fermes, des serres sur les toits à Montréal pour rendre la ville le plus sustainable autant que possible. Pour le local, ils ont commencé à faire une première recherche sur Google Maps. Donc, Google Satellite View, ils ont regardé les différents buildings sur l'île de Montréal, puis ils ont commencé à voir s'il y a un bon potentiel pour mettre une serre. Donc, une fois qu'ils ont fait une première recherche, puis qu'ils ont trouvé quelques candidats, ils ont commencé à rencontrer les propriétaires des édifices. Puis au début, tout le monde ne comprenait pas trop la mission de l'entreprise. Et par la suite, dans cet édifice-ci, le 1400 Antonio Barbeau, qui est la première serre commerciale sur un toit au monde, c'était les enfants puis la famille du propriétaire qui ont dû convaincre le proprio à propos des fermes Lufa. Parce qu'eux autres, ils comprenaient la vision, ils comprenaient la mission de l'entreprise puis qu'on voulait changer la façon que le monde se nourrissait. Puis avec ça, il y a donné une go.
Puis on commençait à bâtir la première serre ici en Antique en 2009. Les hésitations au début, le monde pensait qu'on allait mettre des vaches, des poules, de la terre sur les toits, puis ils comprenaient pas trop, mais c'était vraiment de bâtir une serre où on pousse des tomates, des légumes, de la laitue, des cocombes, n'importe quel type de légumes qu'on peut concevoir ici à Antique, à Montréal. Mais ils sont ici, ils ont étudié à McGill, ils vivent ici. C'est sûr que Montréal, c'est la métropole du Québec, il y a le plus de gens. C'est environ 40 à 50 % de la population du Québec qui est dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'était un bon marché pour commencer. Pourquoi Antique? C'était vraiment un peu au hasard. Comme j'avais dit, on fait une recherche sur Google Images, Satellite, regarder la taille des édifices puis la superficie. Puis ça a donné qu'ici, c'était le bon premier spot. Ils ont bâti une deuxième serre à Laval, puis une troisième serre à Anjou en 2015 et en 2017. Je crois que c'est notre vision, c'est de changer la façon que le monde se nourrisse. Les villes peuvent être entièrement autosuffisantes en termes d'alimentation, avec seulement 19 de ces serres sur l'île de Montréal. Donc on est déjà rendu à 3, il n'en faut pas beaucoup. Pour que les villes soient entièrement autosuffisante, qu'on ne soit pas dépendante sur les produits provenant du Mexique, la Californie, des États-Unis, l'Afrique du Sud. On est capable de cultiver ces beaux aliments ici nous-mêmes. Il y a d'autres produits comme les agrumes qui, bien sûr, sont un peu plus difficiles, mais on essaie toujours de rester fidèle à notre mission, qui est de rester frais, local et autant que responsable que possible. Mais c'est que la ville soit entièrement autosuffisante. Ça, c'est vraiment notre mission, c'est le but qu'on veut atteindre. Si on est capable de rendre la ville de Montréal et la province du Québec entièrement autosuffisante en termes de production alimentaire, ce serait notre plus grand rêve. Mais c'est sûr qu'on veut toujours prendre de l'expansion, mais c'est toujours une chose à la fois. Là, on est vraiment concentré sur le marché québécois. Peut-être que dans le futur, on va parler de l'expansion à l'extérieur du Québec, mais pour le moment, on est entièrement concentré ici pour le Québec, puis rendre le Québec autosuffisant autant que possible. À chaque semaine, on a des nouveautés. Si vous regardez le marché en ligne, on a plus de 2000 produits. On vient d'ajouter des huîtres récemment. Donc, à chaque semaine, on a des nouveaux produits qui arrivent et qu'on cultive nous-mêmes. Donc, je vous conseille fortement d'aller visiter le montréal.loufa.com. Allez visiter le marché en ligne. Il y a tous les produits et le prix qui sont là. Donc, allez jeter un coup d'œil sur montréal.loufa.com. Ça fait déjà une couple d'années que je connaissais les fermes Loufa, juste à travers certains événements. Ce qui est génial de travailler chez les fermes Loufa, c'est vraiment la mission. Donc, il y a un gros objectif, c'est de rendre les villes autosuffisantes autant que possible. Et c'est un gros mandat. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, une grosse coopération des différents départements puis les différents membres de l'équipe. Puis qu'on soit tous en ligne vers la même direction puis le même objectif, qui est de rendre vraiment les villes autosuffisantes le plus rapidement possible. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont on cultive ici chez les fermes Loufa. D'abord, j'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue dans la première serre commerciale sur un toit au monde. Donc, construite en 2011, comme je vous disais un petit peu plus tôt, la première serre à vocation commerciale sur un toit au monde, c'était cette serre-ci à Montréal, dans le quartier de Huntsic. On est dans le côté plus frais de la serre. Vous devez le sentir, on est un petit peu plus confortable de ce côté-ci. De l'autre côté, c'est beaucoup plus chaud. Pourquoi? Eh bien, de l'autre côté, on cultive les concombres, les piments forts, les poivrons, qui sont des plantes qui aiment beaucoup la chaleur, qui poussent très bien dans la chaleur. Et de ce côté-ci, on a des plantes un petit peu plus délicates, qui préfèrent la fraîcheur, comme les verdures, les laitues, les fines herbes et les micro-pousses. Ça fait notre affaire, on est un petit peu plus confortable de ce côté-ci. Alors, je vais vous parler des 5 principes qui guident notre façon de cultiver chez les fermes Loufa, une façon de cultiver qu'on considère comme étant responsable, durable. C'est des mots qu'on entend beaucoup et nous, on aime bien les définir, ces mots-là, et on les définit comme suit, c'est-à-dire qu'on parvient à répondre à nos besoins collectivement en matière de production alimentaire dans le moment présent, sans compromettre la capacité des prochaines générations, des petits, à en faire de même. Donc, il faut toujours garder ça en tête, comment on répond à nos besoins aujourd'hui sans compromettre la capacité à le faire demain. Voici les 5 principes qui guident notre façon de cultiver. On n'utilise pas de nouvelles terres.
on est sur un toit. On économise le plus d'eau possible. On économise l'énergie le plus possible. On minimise le gaspillage et on contrôle les parasites d'une manière biologique. Je vais revenir sur chacun de ces principes-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Premièrement, on est sur un toit. On n'utilise pas de nouvelle terre, mais pourquoi on est sur un toit? Quelqu'un a une hypothèse? Pourquoi on n'a pas construit des terres au sol, le soleil? Ah, une question d'espace. Bien, tout à fait. C'est aussi un bon point que Mme apporte, on va y revenir, mais c'est beaucoup une question d'espace. Les terres cultivables sont de plus en plus rares pour différentes raisons, notamment la contamination des sols, l'étalement urbain, ce genre de choses-là. Petite anecdote personnelle, j'ai grandi en banlieue, Montréal, sur la Rive-Sud, à Brossard plus particulièrement, et je ne suis pas bien vieille, mais là où j'ai grandi, jadis, ce fut des champs, des beaux grands champs de terres fertiles, et aujourd'hui, c'est le 10-30. Donc, ça vous donne une idée comment les terres cultivables, on a du mal à les protéger, à les conserver, à disparaître. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi on contribuerait à ce problème-là? Et pourquoi on ne convertit pas des espaces qui ne servent à rien, qui sont potentiellement même des sources d'inconfort, des îlots de chaleur en ville, par exemple, en faisant des lieux de production alimentaire? Donc, ça nous permet deux choses, de donner une nouvelle vocation à ces espaces-là qui sont perdus autrement, et de produire de la nourriture en ville tout près de là où les gens qui vont la consommer vivent. Ça a du bon sens? Deuxième principe, Madame mentionnait le soleil. Bien, c'est un bon point parce que c'est une bonne façon d'économiser de l'énergie que de cultiver sur un toit. Pourquoi? Eh bien, c'est sûr qu'on bénéficie de la chaleur du soleil. En été, c'est sûr qu'il fait chaud, mais en hiver, c'est très, très pratique parce qu'on n'a pas besoin de chauffer au-delà de moins 5 degrés Celsius. Quand ça descend sous les moins 5 degrés Celsius, on complémente en chauffage. Et là, à ce moment-là, on utilise toute une variété de stratagèmes pour économiser le plus d'énergie possible. Un très, très bel exemple de ça, c'est ce qu'on vit en ce moment, cette fraîcheur-là. Je vous dis qu'on économise l'énergie. Pensez-vous qu'on climatise? C'est une grosse machine d'air conditionné? Non, c'est un système mécanique, très chouette, que j'aimerais bien avoir chez moi. C'est du carton, tout simplement, dans lequel on fait ruisseler une eau fraîche, très très fraîche, et par simple évaporation de cette eau fraîche-là, on vient gagner jusqu'à 5 degrés de fraîcheur de ce côté-ci. Le carton, comme il passe son temps à être mouillé, séché, il sèche au fur et à mesure où il mouille, il garde jusqu'à 5 ans. Donc là, je pense qu'il achève, on va peut-être le changer prochainement, mais c'est très durable. Et c'est au bénéfice de ces plantes-là. Donc, un bon exemple de stratagème mécanique qui permet d'économiser de l'énergie. On a toute une boîte à outils pour économiser de l'énergie, notamment les rideaux thermiques qui se déploient pour protéger contre le climat extérieur. Très, très utile en hiver quand le climat est très froid, mais aussi en été, comme on le constate en ce moment, pour mitiger un peu la chaleur du soleil. D'autres éléments qui nous permettent d'économiser de l'énergie, bien, c'est tout simplement le fait d'être sur un toit et de profiter de la chaleur du bâtiment en dessous qui remonte. Particulièrement utile en hiver, on bénéficie de cette chaleur-là et ça contribue à chauffer la serre et à minimiser nos coûts énergétiques. En échange, ça c'est pas mal chouette, on donne aussi des choses en échange, notamment au propriétaire immobilier qui va économiser 30% de frais d'hydro, de coûts énergétiques à l'année. Parce qu'on agit comme une zone tampon entre le climat extérieur et le bâtiment juste en dessous de nous. Donc, en été, il fait plus frais dans le bâtiment grâce à cette serre et en hiver, il fait plus chaud grâce à cette serre. Et vous remarquerez, là, si vous avez l'œil vif, qu'on les éclaire aux lumières DEL. Parce que les lumières DEL permettent de donner plus de lumière à ces plantes-là, qui en auraient peut-être un peu moins parce qu'elles sont sur des étagères, sans les brûler, parce que les DEL ne génèrent pas de chaleur. Contrairement à nos lumières HPS en anglais, nos lumières au sodium, et qui servent à complémenter le cycle lumineux des plantes en hiver, parce que les plantes ont besoin de près de 16 heures de lumière pour croître. Et accessoirement, ces lumières produisent de la chaleur. Donc, encore une fois, on récupère cette chaleur-là en hiver pour chauffer la serre. Donc, on calcule, on complémente l'éclairage solaire par l'éclairage au sodium en hiver, surtout. Donc, troisième point dont je vais vous parler, c'est l'économie d'eau en général. Notre façon de cultiver nous permet d'économiser 50% et plus d'eau
par rapport à une serre équivalente au sol, donc on cultiverait dans le sol. Pourquoi? Notamment parce qu'on cultive de manière hydroponique. La culture hydroponique, c'est un mot qui a l'air bien compliqué, mais qui est somme toute très simple, c'est qu'on fait pousser les plantes dans une solution d'eau et de nutriments au lieu de les faire pousser directement dans le sol. Et donc, c'est ce que vous voyez partout autour de vous, d'un côté comme de l'autre. Ce sont deux systèmes un petit peu différents. Ici, on a un système à canal. Et c'est un bel exemple pour vous montrer comment on parvient à récupérer toute cette eau-là. C'est que l'eau, par gravité, va être administrée de ce côté par un petit tuyau. Elle va circuler tout le long du canal. Comme ça, chaque plante a sa petite quantité d'eau. Et l'eau gravite vers le centre, vers un autre canal où elle est récupérée. Elle retourne au sous-sol où elle est mesurée par ordinateur. On s'assure d'équilibrer les niveaux de nutriments, etc. Et elle remonte comme ça en boucle fermée. Donc, c'est un système en circuit fermé qui permet de faire circuler cette eau-là à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rejet d'eau dans le système municipal. Toute l'eau qui est utilisée est consommée ou évaporée. Donc, c'est une façon extrêmement efficace d'économiser l'eau. L'engrais dans l'eau, alors, c'est un mélange de nutriments. Les jardiniers dans la salle, ils vont être plus au parfum que moi. Azote, potassium, ce genre de choses. Donc, ce sont des sels qu'on mélange dans l'eau, qu'on dilue, et on l'administre à la plante de cette façon-là, puisqu'elle ne peut pas aller le chercher elle-même dans le sol. Et, pour ceux qui se posent la question, c'est la raison pour laquelle la culture hydroponique n'est pas certifiée biologique. Au Canada, contrairement aux États-Unis, la culture hydroponique ne peut pas obtenir cette certification-là. Il faut répondre à une liste de critères, entre autres celui de cultiver dans la terre, dans le sol. Alors, je vais poursuivre avec les deux derniers principes rapidement avant qu'on descende dans le centre de distribution. Je voulais vous parler de la façon dont on minimise le gaspillage. On va en reparler en bas, mais quand vous commandez des légumes qui sont cueillis dans nos serres, on les cueille sur commande. C'est-à-dire, si madame commande 3 tomates, 2 concombres, 1 poivron, c'est ce qu'on va cueillir le matin de la livraison. Et ça, c'est une façon extrêmement efficace de minimiser le gaspillage, puisque dans le système alimentaire tel qu'il est en ce moment, entre le moment où un légume est produit et arrive chez vous, il y a 1,3 milliard de tonnes de légumes qui se perdent en cours de route, quelque part dans cette chaîne-là. Pourquoi? Bien, il est cueilli pas à maturité. Il passe quelques jours dans un camion, quelques jours dans un entrepôt, quelques jours sur une étagère d'épicerie, et il se perd en cours de route. Nous, on le cueille, on vous le donne, et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, ça minimise le gaspillage. Et bien sûr, tout ce que vous voyez autour de vous, si on parle de résidus verts, c'est composté. Que ce soit ici, sur le site, au sous-sol, on a des grands composteurs, mais pour des très, très grandes quantités. Si on parle, par exemple, lorsqu'on doit remplacer les plants de concombres chaque 3 mois, 300 plants de concombres par rangée, on envoie ça à un centre de compostage à grande échelle. Ça arrive jamais qu'on a des surprises, c'est très rare. On a le problème inverse. On a du mal à répondre à la demande, oui. Mais si jamais on a des surplus, on a différents stratagèmes pour ne pas avoir de gaspillage. On va vous offrir des rabais. On va dire les laitues boissons sont à 1 $ cette semaine. Ça part rapidement. Et si jamais encore, malgré ça, on a des surplus, on propose aux banques alimentaires comme Moisson Montréal, par exemple. Ça arrive quelquefois en été. Récemment, on a fait quelques envois. Dernier principe, qui est mon principe préféré parce que je suis une grande amatrice de BD. C'est le contrôle des parasites de manière biologique. On n'utilise pas de pesticides de synthèse ici, comme pas. Aucun de nos partenaires n'utilise de pesticides de synthèse. Certains de nos partenaires sont même certifiés biologiques. Alors, comment on contrôle les indésirables dans nos serres? C'est sûr que c'est un défi, on ne se le cachera pas. Et on a différents stratagèmes. Quelqu'un a une idée comment on contrôle, par exemple, les populations de pucerons? Les coccinelles. Les coccinelles. Donc, des insectes qui sont introduits, des insectes qu'on considère bénéfiques et qui viennent s'attaquer aux populations indésirables. Donc, les coccinelles, c'est un très bel exemple. Parenthèse, pour ceux qui s'intéressent, c'est des espèces non invasives, les coccinelles, parce qu'évidemment, elles peuvent sortir par les fenêtres du plafond. Un autre insecte, encore à mon avis, plus cool que la coccinelle, c'est la guêpe parasite. Il y a des gens qui ont vu les films Alien. Est-ce que les extraterrestres sortent les ventes des astronautes? Mais c'est ça que font les guêpes parasites. Donc, elles vont attaquer le puceron, elles vont piquer le puceron et elles vont pondre leur œuf dans le puceron mort et vont en émerger une nouvelle guêpe parasite et ainsi de suite pour perpétuer le cycle du carnage. Et donc, elles s'attaquent à peu près à 300 pucerons en 3 ou 4 jours.
Donc, une prédatrice redoutable. Quelqu'un me pose une question sur les bourdons. C'est évidemment pas un prédateur, là, mais c'est une parenthèse que je vous fais pour vous pointer la ruche, la ruchette de bourdons, si vous ne l'avez pas vue. Donc, les bourdons sont amenés dans la serre à dessein parce que c'est des très, très bons pollinisateurs pour ce type de culture, les poivrons, les aubergines, les tomates, les concombres. Les bourdons ont une façon de polliniser qui est un petit peu différente de celle des abeilles. Ils font vibrer les cultures et ça permet une pollinisation par, on pourrait dire, chute naturelle du pollen finalement. Ils ont une façon de polliniser qui est un peu différente de celle des abeilles, mais qui est très efficace. Puis les bourdons, on va se le dire, sont particulièrement sympathiques. On peut travailler à côté, donc sans problème. Ils sont très, très dociles. Madame demande si parce que c'est plus humide, on a plus comme de mildiou ou de moisissure, ce genre de choses. Non, je pense pas que c'est particulièrement humide, c'est sûr que ça l'est un peu, mais on brumise, donc on rajoute de l'humidité de l'autre côté. Parenthèse, le système NFT, et c'est un acronyme en anglais, et en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça crée un très, très mince film d'eau sous la plante, dans le canal, et ça permet une circulation totale de l'eau. Donc, il n'y a jamais vraiment d'eau qui va stagner, rester, donc la moisissure n'a pas le temps de s'installer. C'est un système qui est conçu à cette fin-là. Bien qu'on cultive dans l'eau, d'une certaine façon, les plantes poussent grâce à la solution d'eau qu'on y administre, les plantes sont quand même ancrées dans un substrat de fibres de noix de coco. Fibres de noix de coco. Et c'est un substrat qui est compostable et qui est particulièrement répandu. Il vient c'est un sous-produit de la culture de noix de coco et ce produit serait perdu. Autrement, donc ça permet de récupérer ce produit et de lui donner une nouvelle fonction. Donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On espère que vous avez vraiment apprécié cette émission spéciale sur les fermes Loufa. Donc, une ferme qui sur les toits de Montréal, qui a vraiment une vocation écologique et qui produit ses légumes de façon tout à fait responsable du côté environnemental. C'est vraiment une ferme qui est innovatrice puis qu'on espère qu'il va se propager un peu partout au Québec et qui va bientôt nourrir le Québec en entier. Bien sûr, avec nos autres producteurs locaux, mais qui va participer justement à cette autosuffisance du Québec en matière alimentaire. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté notre émission. On se retrouve bientôt pour une autre émission de Demain l'agriculture.